DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba, Congo. Ta fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo e koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Oh yeah yeah. DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba, Congo. Fachi beton, tangwe koki yo yo yo, tangwango yango yo e koki, tolanda kango, Papa Stéphane, Bala Mwangi, oh yeah yeah. Bien voilà, la paire a changé de camp. Merci beaucoup. Naba Congolais ba kota la biso. Nous sommes très et trop déterminés pour la nation congolaise. Dans l'unité et l'union fait la force. Aujourd'hui, vous allez aimer ce que nous allons essayer. Yarosolana bisonion sotoa kotalana. Nous sommes des Congolais de père et de mère. Tango Koki RDC, une télévision de la méritocratie et du patriotisme. Jésus encore est votre fils, votre enfant, petit frère Nayo, Lekinayo, Nyonsonayo, Nazawana, Poto Sololama Kambambuka. Continuez à nous faire confiance. Soko sa l'arabie so confiance te, zana moute mamoune na koyo kabiso parce que nous parlons pays. Cela ne veut pas dire que si je soutiens la nation congolaise au nom du patriotisme, obenganga imuluba. Obenganga mouta tiseke di non, naza mouta tiseke di te nazande moutu ya Congo. Nazande moutu ya République démocratique du Congo. Je suis patriote. Le wazalendo o bazo risque na front. Le wazalendo o bazan face. Il y a des militaires rwandais au niveau de Kanyabayonga na Kirumba. Ba militaires ba wazalendo o bazana sake ba ko bunda bitumba na Kibumba. Ce ne sont pas les Kasayens. Ce ne sont pas les Luba. Ce ne sont pas des personnes baza au niveau ya famille, ya président Tshisekedi. Mais ce sont des volontaires. Là, nous trouvons des Nande, nous trouvons des Swahilifones, nous trouvons des qui encore, nous trouvons des Mushi, nous trouvons des qui encore, nous trouvons des Mubambe na kati wana ya bawazalendo, ba ko bunda pour la République démocratique du Congo. Nous soutenons les institutions, nous parlons nation et nous parlons sécurité à mboka na biso, nous parlons pays. Si il faut dénoncer, nous dénonçons. S'il faut orienter, donner des idées et mettre une bonne pensée pour la République, tout ça la kayango. Nous prenons aussi la volonté du peuple. Nous prenons aussi des orientations à Banamboka. Nous prenons aussi la pensée. Makanisi Banamboka ba kopé sabiso, tomatisi yango likolo, tolakisi bakondi. Tala bandeko, tala population. La peuple congolais bah qu'on signe à tout temps la boue. C'est ça même le rôle. Y a tant que qui RDC et des différentes interventions auto salaga awa. Nous parlons nation. Alors aujourd'hui il y a des très bonnes nouvelles. Aujourd'hui il y a des très bonnes nouvelles parce que nous allons dénoncer tout au long de cette émission. Nous allons dénoncer. Nous allons faire un peu des révélations tout au long de cette émission. Merci beaucoup. Moi on m'appelle Jésus Ankolé. Vous voyez l'écran qui est derrière moi. C'est écrit Tango Koki RDC. Suivez-nous ici. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est le patriotisme. Nous luttons. Notre combat, c'est le Congo. Jamais la République démocratique du Congo sans le Kivu. Mais Gome Kolongwe pas na biso ndeni. Kanyabayonge Kolongwe pas na biso ndeni. Parce que dans la Katikati, il y a province, il y a Nord Kivu. Et Bandolongwa ndeni. Bande konangai territoire ya Lubero et Kolongwa na Congo ndenge to lobela makambo. Alors nous passons directement une mauvaise situation au niveau de la ville de Goma. Très rapidement mon réalisateur Pierrot Chibangu qui est ensemble avec nous, si c'est bon on y va. Nous sommes là, RDC, guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, une vive tension a régné ces jeudi 4 juillet 2024 matin au quartier Mungunga à Goma. Des déplacés de guerre ont barricadé la route à l'entrée du cinquantenaire
Roussao pour réclamer une résistance humanitaire. Est-ce que je peux répéter la lecture et comme ça nous allons expliciter après? RDC, guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Une vive tension a régné ce jeudi 4 juillet 2024 matin au quartier Mungunga à Goma. Des déplacés de guerre ont barricadé la route à l'entrée du cinquantenaire Roussao pour réclamer une assistance humanitaire. Très bien. Alors, une autre information très rapidement, avec la deuxième photo de Vital Kamerhe que nous allons rapidement lire avec notre réalisateur qui est au niveau de la régie. Si c'est bon, on y va. Alors, nous sommes là, RDC. Vital Kamerhe est en mission au Canada avec une délégation de 14 personnes, dont 10 députés nationaux et 4 membres de son cabinet. Voilà, Vital Kamerhe a quand même réussi sa mission. Ok, quand même, c'était une liste de 23 personnes, mais vu la pression, tout ça là qui, liste longue à 23 personnes et Kiti à 14 personnes. Bakenda ki outa, le 2 c'était le mardi soir. Nde balonga ki kisasa, Bakenda Canada, ouaf bakeyu ko assister na conférence ou encore na assemblée. Il y a francophonie, ou ezali ko réunir le parlement ou des assemblées nationales de différentes nations membres de la francophonie ou ezali ko salama au niveau à Canada et la République démocratique du Congo, représenté par son président et un certain nombre de députés nationaux au nombre de 10 et 4 membres du cabinet de Vital Kamerhe. Alors aujourd'hui, nous demandons une assistance du gouvernement congolais par rapport à la situation OESA dans la province de Nord Kivu. Du côté du ministère des Affaires sociales, il y a un camp de déplacés de Mungunga au niveau, juste à l'entrée de la ville de Goma, un camp de déplacés, Oyo ba déplacé Bele Baouti dans un certain nombre de territoires, ba Kimi Masasi, ba Eko se réfugié, ba Eko s'installer, juste à l'entrée de la ville de Goma à Mungunga. Alors, le gouvernement congolais doit prendre soin de tous ces déplacés de guerre. Lorsque le gouvernement congolais met des moyens pour la sécurité du pays, lorsque le gouvernement congolais met des moyens pour des militaires, la FARDC, Babunda Bitumba na Nord Kivu, les autorités, le gouvernement doit aussi mettre des moyens pour essayer yako kiper, pour essayer yako rendre une bonne situation sociale et pas à déplacer des guerres ouyo. Parce que déplacer des guerres au baza ba congolais de père et de mère. Batiki banda kuna bango na Bunagana, batiki banda kuna bango na Kilolirwe, batiki banda kuna bango na Kanyabayonga, batiki banda kuna bango na Kirumba, na ba cité ba localité et Belé. Alors ba se déplacer ba kei vers la ville de Goma, il y a un camp de déplacés. Batiki Banyama, Batiki Bandaku, Batiki Bilanga, Batiki Marambobele. Alors, nous demandons une assistance. Yaba autorité, batalaka, yabande konabiso bazana kan ba déplacer. C'est très important. Tant que mobou les aliko salamaboye et kwa ko kreye bambiskad moussous paske balobi. Au niveau à ville de Goma, il y a des réclamations, yama kasi, yama kamboza ko salamakuna. Alors, nous allons parler de quoi aujourd'hui? Enfin, dévoilé, l'entourage de Fatshi Félix Tshisekedi infiltré. Julien Paluku a effectivement traversé du côté des M23 AFC RDF Rwanda. Julien Paluku, et on dit VK démasqué, pays en danger. Ok, le titre de notre émission, nous serons dedans. Enfin, dévoilé, entourage de Tshisekedi infiltré. Julien Paluku traverse. VK démasqué, pays en danger. Ok.
Makambu Togolobela Yangwana. Prenons d'abord le cas, il y a Julien Paluku. Julien Paluku, c'est un Congolais du Nord Kivu. C'est un politique congolais. Il a fait plus ou moins 12 ans. 12 ans à la tête de la province du Nord Kivu. Le gouverneur Julien Paluku a fait plus ou moins 12 ans à la tête de la province du Nord Kivu. 2006-2011, 2011-2019. Si nous calculons bien, ça fait plus ou moins 12 ans que Julien Paluku était gouverneur de la province du Nord Kivu. Il maîtrise bien la province. Il maîtrise un peu bien les quatre coins de la province du Nord Kivu. Alors, aujourd'hui, depuis que Tozali na mokonzi moka Fatshi Beton, chef de l'État, président de la République Fatshi Beton, na mana ya liboso ya mokonzi moka Fatshi Beton, na gouvernement oya liboso ya gouvernement FCC Cash, oyo premier ministre ezalaka Ilunga Ilunkamba, Julien Paluku banomaka ye ministre ya industrie. Lorsque divorce et salami ya gouvernement FCC Cash, tozui gouvernement ya sika ya Union Sacrée avec Jean-Michel Samalukonde, tomoni Julien Paluku était toujours reconduit lokola ministre ya industrie. Le gouvernement Samade tangu eye oye kotisa ki ba Vital Kamerhe lokola ministre ya économie. Oye koti seki bande komo sou na ba portefeuille mou sou yebi. Tomoni Julien Paluku ba reconduire ye li sou ministre ya industrie et pa ya Fatshi Beton. De premier mandat tu seke de sili. To koti na deuxième mandat. Na deuxième mandat o toza nango sikoyo o ba Congolais ba voter président Fatshi na 73%. Na mandat ya mi balé mo konzia mboka a nomele biso la première ministre Judith Sumwino Tuluka. Na gouvernement ya mama Judith euti kobima awa oye bandi pe deja misala tomoni Julien Paluku lelo azali ministre ya commerce extérieur. Julien Paluku c'est un ministre national ya commerce extérieur et Julien Paluku nalobi c'est un acteur politique et chef d'un parti politique, président d'un parti politique otobengi Birek ezali Lingomba politique, parti politique, ya Julien Paluku. Tolingi to lobo makamba mungo, bolanda biso malamu. Alors, avec la première photo, Nekonangai Piero Chibangu qui est de ce côté-là, donnez-nous la première photo, et comme ça nous allons lire les documents. La photo qui a deux photos à gauche et un document à droite. Si c'est bon, au Pessinga Dilana Banda Koloba. Alors, nous allons rapidement lire ces documents. Suivez bien la photo ici. Les détracteurs, basali message oyo. Mais lisons très bien. Et comme ça, je vais expliciter, nous allons analyser, de comprendre la situation actuelle. Il y a Kanyabayonga, la situation actuelle. Il y a Kirumba. Quelles sont les personnes acteurs de la trahison et quelles sont les personnes au bazaba éléments au bas infiltré biso na Katia Respublica. Nous sommes là. RDC. Un membre de l'Union Sacrée Birek devient bourgmestre de Kirumba sous M23. C'est un haut cadre du parti politique Birek du ministre Julien Paluku répondant au nom de Simisi, un ancien cadastre et suppliant du financier David Kaoua du même parti politique. Élu est ministre provincial du gouvernement général Chirumwami. Il s'est pointé candidat parmi tant et c'est grâce au plus grand nombre obtenu de ceux qui ont fait la queue sur les rangs derrière chacun des candidats bourgmestres. Il a été désigné et nommé. Vous voyez sur la photo le monsieur qui est en train de signer un document. Et sur la même photo, vous voyez le monsieur qui est vêtu en chemise jaune. C'est lui, monsieur Simisi. C'est un haut cadre.
y a parti politique nenga ba ebi sibiso ya birek ya ndeko Julien Paluku e ba ebi sibiso awa ndeko simisi azala ki un cyprien ya ndeko ka kamua kamua o azali ya parti politique toujours ya ndeko Julien Paluku et présentement azali ministre provincial ya gouvernement ya ndeko Chirimwami. Parce que au niveau ya Nord Kivu nous avons un gouverneur militaire mais azako travaillait aussi avec des experts congolais sur terrain. Alors ndeko oyo a traversé ba ebisi biso aza ya birek. Alors lorsque les M23 ba koti cité ya Kirumba ba koti cité ya Kanyabayonga et bazo utiliser les mêmes personnes au bakuti sur place. Prenons la deuxième photo. Très rapidement, nous allons continuer à lire et vous allez comprendre certaines choses. Nous sommes là. Alors, vous êtes à 200, à 2000 km, vous ignorez la réalité sur terrain. Normalement, quand le M23 prend une agglomération, il nomme une autorité qui était là avant qu'il s'installe. Voilà, leur arrivée, c'était déjà le cas en 2012 avec un bourgmestre à Goma qui était nommé gouverneur en 2012. Bomoni, les M23, lorsqu'ils arrivent au niveau de Kirumba, ils vont juste prendre la même personne qui était na Liewana. Parce que les messieurs Simisi que vous voyez, il était déjà responsable au niveau de cette localité citée ya Kirumba. Lorsque les M23 ont pris possession de Kirumba, bah reconduire juste la même personne qui était à la tête de la même localité. De la même manière au niveau ya Kanyabayonga et de la même manière nenge ba ebisi biso salamaka lorsque les M23 ba kotaka na ville ya Goma, o ba zwaka possession ya ville ya Goma. Ba installa ka la même personne qui était responsable na même lié. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Lorsque en 2012, ba M23 ba kota ki na ville à Goma. Est-ce que ville à Goma, est-ce que province ya Nord Kivu échangea ka gouverneur? C'était le même gouverneur responsable ya province ya Nord Kivu na 2012 lorsque les M23 ba kota ki sur place. Ba pesa qui toujours confiance à des gestion et pas à la même personne. Et de la même manière, Nenge et Salami au niveau ya Kirumba. Aujourd'hui, les responsables du parti politique, ya Birek, ya Excellence Julien Paluku, bazako démentir Makambo Nyos. Balobi que ils ne sont pas de mèche avec les M23. Balobi lisusuke, lorsque un cadre du parti politique quitte le parti selon sa volonté, il n'engage plus les partis. Lorsque un cadre du parti politique quitte son parti, il traverse de l'autre côté, il n'engage plus les partis. Donc, monsieur Simisi, qui était du parti politique Birek, et les responsables et cadres de Birek, Kolobelabiso, Azali lisusuko engagé parti politique Birek te, Ali pe lisusuko tambola na image ya ministre Julien Paluku te. Il l'a tracé et il a accepté de tracer son chemin. C'est ça le problème. Mais le problème encore c'est quoi? Nous remarquons aujourd'hui l'entourage du président de la République, il y a des personnes qui sont de mèche avec les étrangers, avec les ennemis. Et c'est très difficile de finir cette guerre. C'est très difficile de récupérer toutes nos localités occupées. C'est très difficile d'affronter. C'est très difficile de combattre. Et c'est très difficile de créer une accalmie au niveau de la province, de Nord Kivu. Parce qu'au sein de l'entourage du président de la République, on ne retrouve pas les véritables tshisekedistes Étienne. On ne retrouve pas le vrai tshisekediste Étienne au niveau ya entourage ya président Fatshi. Au sein ya entourage ya président Fatshi, il y a que des kouya kouya.
Oui. Il y a que des kouya kouya. De batou oyo. Bazala ki na komba ya papa Etienne te. Batou oyo bandai ko lia komelana kabila. Batou oyo bazala ki ko zwa ba injonction ya Kagame. Et aujourd'hui, la population congolaise est telemi. La population congolaise ezui autonomie na yango. Et la population congolaise ezui bo konji na yango au sommet du pouvoir. C'est un Congolais de père et de mère. Oyo Congolais ne soit copé sa confiance. Bo tunanga na niko, le président Fatshi. Mais nous remarquons de kouya kouya aouti libanda ya koti a zui même responsabilité ako kotati na kata testament et tatati ke la biso. Or yaza makila na biso te aza ya biso te. Il faut que le ministère de la justice abanda siko pe kolande la makambo mousso eza très important pour nous. Non ki na kisasa bakomi kokanga bandumba. Bandeko basi nyo soto ali ko benga na Kinshasa boli bisanga bachel. Babi tous ces derniers temps ministère à justice bazo kanga bandumba, bazo kanga bachel, bazo kanga bapede, o batele maranase ya molili na kisasa. Oui, c'est bien bon. Parce que c'est le vacabondage juvénile. C'est le vacabondage juvénile. C'est contre même le mode e-mers. C'est très important. Mais nous avons besoin que ministère à justice baba na kolande la congolais moko surtout plus dans milieu politique parce que notre milieu politique est infiltré est inféodé notre milieu politique est dans la VIH il y a infiltration notre milieu politique est dans la VIH il y a non patriotisme et bateau bazoluka la balkanisation. Il y a République démocratique du Congo. Une fois que ce pays est balkanisé, une fois que ce pays est fédéralisé, parce que c'est le choix à Batebele, Katumbi aujourd'hui son choix, c'est le fédéralisme. Donc, ma province va comme autonome, comme c'est à récupérer la République katangaise et comme aïe, Bojoba. Bakabila nyon soyo, baza ko luka que le pays soit divisé. Comme ça, elles vont prendre la partie est, là où il y a des minéraux stratégiques. Bango balingi na bango bandundute, balingi na bango kisasate, balingi ba kongote, bango balingi ba paralyser Tanganyika, ba paralyser Olomami, ba paralyser Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, ba ouele, Otuele, ba paralyser toute cette partie là où nous trouvons des minéraux stratégiques. Il y a le coltan. Lithium ezali, tozana or, tozana uranium na parti nyon sur notre ko cité ao. Alors il faut créer une division, tracer une ligne où l'autre partie là sera cédée sous gestion des étrangers et nous allons rester avec un Congo de l'Ouest. Et c'est maintenant la lutte du président Tshisekedi. Mais nous comprenons que c'est très difficile quelle que soit la volonté. Il y a président Fatshi, il y a Olonga Makambo Nyoso. C'est très difficile. Parce que l'entourage du chef, non, ça n'inspire pas confiance. Ça n'inspire pas confiance. Bon, vous allez nous excuser et nous comprendre dans le sens. Ici, on n'a pas cité le nom d'une personne. Mais nous, notre souci est que les mêmes personnes qui sont proches du président de la République soient exemplaires d'abord. Batou o baza proche à chef de l'État, balongwana traîtrisme. Batou o baza na proche à chef de l'État, balongwana trahison. Batou o baza proche à mokonza mboka, balongwana ba détournement. Ici, on nous annonce plus ou moins 245 millions de dollars au FMI et au tuko décaissé na répartition sessionnelle. Il y a 1 milliard 200. Oyo balaka ki biso ke ba otinde la, il y aura un paquet. Il y a FMI, Fonds Monétaire International, 1 milliard 200. Il faut batinde la biso. Alors 1 milliard 200 ekoya mbala mon côté, ekoya par tranche. Alors to moni awa boye hier 230
45 millions de dollars ayé na compte ya FMI. Est-ce que 245 millions wana ayé bakolia yango te pa bato ba mesana ko yiba mbongo a l'état parce que ayé pour des projets. Ayé pour le développement. Ayé pour booster l'économie congolaise. Ayé pour faire avancer le pays. Mais est-ce que mon solo oyo e outi FMI pona elle sa congolais nyonso congolais nyonso a bénéficié na yango parce qu'il y a aussi des procédures qu'on peut dire invisibles oyo ko sala ke mongo oba ko pesa biso e pa batoyo il y a une autre façon oba ngo bazue la kaba récupéra ka yango ba ko zue yango na ba secteur minier ba ko zue yango na ba secteur mususu ou bien encore dans les secteurs forestiers. Mais maintenant, ba mosolo o ezoya, misolo o ezoya, eza na banque mondiale, eza la FMI, eza la banque africaine, eza la Union européenne, eza la Russie, eza la Chine, eza la place nyonso badon ba misolo eyaka. En termes de renforcement, de développement dans les secteurs agricoles et autres, mosolo wana 245 millions de dollars. Et koya awa batomoro bavandi na sans été ba komo kabola yango. Et kokoma era retour na bango balingi batou na bango te. Soki pe justice e koti makambango ba komo bela. Et soki ba beli balingara mama e moté, balingara pe hôpital à cinquantenaire te, hôpital pe à kanchachite. Balula ba hôpital ya mikili ya bapaya. Comme si bango ba kotisaka tant bazo tonga ba hôpital na France. Comme si ba kotisaka lorsque bazo tonga ba hôpital na Belgique ou bien na Canada ou bien na États-Unis. Bako banda koku felawa. Obeli okoku felawa. Ono medse nanga lobi malade na zobe la bako soanyango ate. Bako soanyango libanda o. Yo nanda ko lala ka ngunge zalakate. Olala nga naba kondisyo ya malamu. Yo nanda ko lala ka solweza te. Pasko lala nga naba kondisyo malade tifoido kozo wapi. Malaria kozo wapi. Malade nini yo ko bela. Yo zana mosole bele. O nyataka zelo te, o bimi na kata ndako koti na jeep mbala moko kei. Malili na biro, malili na ndako. Wako lia wako melabilo ko eza purifiye. O liaka mapa ya boulangerie te. Yo liaka mapa oba salaka na ba standing na ba niveau na bino. Siko maladi yango bobela ka bino ka bobela ka biso tozo lia maya bosoto. Tozo mela maya bosoto tozo bela kate. Biso tozo mela maya forage. Me tozo bela libumute. Tozo bela tifoidite. Bino bozo mela mayi o bazo filtrata 45 fois 50 fois bozo bela poani do maladi alukuta maladi wana eza alukuta cesser de faire ceci là c'est rendre un mauvais service d'abord à la Respublica et secondo au président de la République parce que le président Fachi est la seule personne qui sera redevable 5 ans après à 2028 devant la base devant encore la population. Il y a un peu de bilan. Il y a 10 ans, à Salinini, pendant 10 ans, la tête du pays. Mais il y a la son, il y a un son, il y a un son. Nous devons aider les chefs de l'État. Lorsque on vous accorde une chance d'être responsable quelque part, dans responsabilité, on va pécio. Et ça pour gagner à Mosolo, on renforcera la pire petite, on va rebelle dans l'Est. Et ça pour renforcer aux armements, groupe rebelle na yo bomba te ebarate. Moi ngan chouchou était ici. Tozo moné sango Edouard, awa na kisasa moi ngan chouchou. Sango Edouard moi ngan chouchou na kisasa. Or il avait des milliers et des milliers de rebelles au abanayi kotine de la abanayi kotine de la mbongwa les saka ebergeaka, les SNDP, les deux dosa wapi. Alors batu ebele baza leloa. To comprendre bango lobi. Ah to boy to banotanga ba kombo na bango. Me baloba ka baeba ka nyama na loposo na ye. Me moto baeba ke na motema. Alors motema ezala libanda te lokola la zolo na matoi. To mona ke tala motema na yango na tali. Non, motema ezala na kati. E motema baeba ngo na bizaleli na yango. Soko so mesana ko iba. To ko yeba yo ke yo za muta ko pesa confiance te. Soko mesana ko telefone kaga matu moma. Ko kende sena se ko coopérer na ba wilingo ma ko coopérer na ba rebelle là on ne te fera pas confiance mais la justice doit faire son travail justice ezaka okanga bandumba tin justice ezaka te oyena terrasse musique zobeta makasi
okangi sonorisation na bango okangi baba fela na bango non la justice c'est d'entrer même au niveau du gouvernement kokanga ba dongolo miso ba ministre nyonso yo ta justice eza aussi nous avons la justice militaire ya koluka ba shirimo mikotu na bango kanyamba yonge koko ya bondenge nini tala kirume koko ya bondenge nini oyo M23 komi ko installer na gouvernement na ye na kirumba. Bozomona. Donc c'est ça. C'est ça, c'est très important de parler de ces choses. C'est très important de parler de ces choses. Alors, dans ces pays, nous avons plusieurs priorités. Mais aujourd'hui, ce que la population congolaise demande aux autorités, c'est la paix et le social. Tala, Mama Oazana Bilanga, Ndeko Chayer Oazana Zando, Ndeko Oazana Lubero, Ndeko Oazana Masisi, Ndeko Oazana Ruchuru, Okoa Kolobela Ete Keno, Assemblée Générale Moro Ezana Canada, Oifo Ba Député National Bakende, Aoke Nango Wapi. Na bandela, na lobi ye, mama o akoti bilanga kuna na kanyabayonga, mwaya bimezate. Papa o akoti bilanga kuna kote ya kishiche, mwaya bimezate. Bana kela si o ba bombarda ki bango au niveau de Masisi, lor ya examen d'état. Okoebi sabango ke foto kende session spéciale moko na Canada, o ba bengisi ba assemblée nationale ya bambo kanyo so membre francophonie. Est-ce que biso to koyoka yango? Batu o bazana Selembao, batu o bazana Congo central na Mwanda, o bazoze la port à nos profondes sila. Bakoyo kamakambo zo ebisa biso ke o mema biso na Canada avec une délégation de 23 personnes. Non, nous avons des priorités et des priorités. D'abord la paix. Parce que ndeko mwasi ndeko mobali tata mama o bazana est la République démocratique du Congo, il a plus besoin de nouvelles. Ya progrès Aza plus besoin na ba nouvelle, ya avancement, ya climat de paix dans la partie est, et on les a priorité pour na bango. O pesi bango kimia olukina remède mususu ya mibale ezali ya ko stabiliser la situation sociale. A Kinshasa nous souffrons. Ya pas d'eau, ya pas d'électricité, ya pas les transports. À manger c'est difficile. Na Kinshasa le losoro moni fufuku misanzambe. Na kisasa soko moni ya kolia kumi sanza. Na zolo bayango na baventure te bato baza na kisasa bayebi. Oza na Canada kumi sanza mbe. Lo lendo te kumi sanza mbe. Wa kolia wa komela. Etazini wa kolia wa komela. Me biso awa nous souffrons. Po mona ta lipa oyo. O mona ta bika la kasa o. Nous souffrons. Siko nous allons continuer. Jusqu'à quand na situation oyo. Pendant que Bahako et Bissabiso, nous avons des coltans aux alliés pour faire fonctionner le monde. Nous avons un président de la République congolaise de père et de mère. Tout est déyé. Boué la Bissot, ma distraction t'es. Oui, nous avons des institutions. Des institutions qui doivent fonctionner. Oui, c'est bien bon. Mais dans toutes ces institutions, il faut plus d'abord travailler pour l'intérêt de la République et de la population congolaise. Ce qui est pour l'avantage de la nation, travaillons sur ça. Moi, j'aimerais même que les parlementaires n'abusent au Canada avec leur président, bah vendent dans nous awa, la commission défense et sécurité, bah multiplier bah stratégie, bah multiplier bah rencontre, bah réfléchir ensemble. Comment est-ce que nous pouvons faire pour arrêter cette hémorragie? Il y a pas avancé, il y a pas 23. Avant, on parlait de Bounagana. Le lo Kanyabayong est continu à mon oronabiso. Le lo Kirumba est continu à mon oronabiso. Le bito roya kolo basu sous cité nini. Est-ce qu'il y a aussi la biso le lendo rotan garba cité au bas 23 bas koko tabac au konja? Si quoi, ils ont fait ça orgueil ma peka et pas bawilingoma et voilà. Je vous parlerai à la deuxième émission. Il y a situation à santé. Il y a Corneille Nanga. Nebi saki biso bako bomana bango na bango. Ce qui bachelier poison, ce qui a kobela nini, et il est à l'agonie.
Je parlerai de ça. Bayaki nzela moko me barozo nzela sambo. C'est que les oazalen de la FARDC et tous nos services baza ko bongisa ministère à défense au sein du gouvernement na ba secteur nyonso na renseignement na DGM na DEMIAP wapi na la pulusu na ba FARDC ba oazalen de o baza ko bongisa. Nous nous maîtrisons quand même. Yakoloba makambo mususu, mais nous avons confiance que makambo ane ko simba. Mais eko simba soki entourage, soki batu o bazali ko travailler pour l'avancée de la République, bazar réellement des Congolais, bazar réellement na besoin que makambo ane ke deliboso. Bato mususu ba intérêt na bango eza situation o ya insécurité. Il faut insécurité zalaka pour que ba bimisara koltan na mayuya. Bazo koma ba mvwama. Bazo tonga na kisasa. Yaka na kisasa lelo soko ya kisasa kala. Okomona ba imeble zo telema. Tuna imeble ya nani. Bakoko seza ya mundele moko. Eza ya mundele te. Eza ya bango bato nyonso. Obosu ya bango. Mbongo ebele ya kotele misa. Ba imeble ebele na kisasa ya 15 niveau. Motomoko na kisasa zana 10 imeble. 10 imeble ya 15 niveau. 15 niveau. Ataku tu yo Bill Clinton. Ataku tu yo Bill Gates kutu na ngayena loba. 10 immeubles ya 15 niveaux, 15 niveaux na kisasa. Na goma poza nango, na Bukavu poza nango. Ata bino moko. Don zamba ngwa likolo asopara kambongo epa na yo, asopara mbongo epa na biso misusute. Merci beaucoup de nous suivre. Alors, on s'arrête d'abord là parce que nous sommes trop coincés par les temps aujourd'hui. Vous avez remarqué au lieu de débiter à 10h, de débiter un peu en retard. Suite à des petits pépins techniques, mais Stéphane Balamwangé va encore arriver pour d'autres ajouts. Il y a des formations, il parle très bien, il a de la maîtrise, il est très bien informé, il a des câbles, il a des sources et il est trop attaché aux autorités. Il bénéficie de la confiance de plusieurs autorités. Il sera là pour nous parler encore pays. Alors, on s'arrête là et Jésus Ankole va revenir encore vers la fin de la journée. Et Joël Kitenge va encore regagner ses plateaux comme d'habitude, comme hier. Il était ici à Sepelisaki Bakongolais, nous sommes à l'Arabie. On est ensemble. Nous parlons pays, nous travaillons pour la nation. Alors, Jésus Ankole, plus 243 81 57 20 388. Jésus Ankole, c'est moi. Appelez-nous, appelez-moi. Na plus 243 81 57 20 388. Alors, merci. Ciao. Tangwe kokio yoyo.